KO. Round 3. Fight. KO. You win. Love. KO. Round 2. Fight. KO. Round 3. Fight. KO. Round 4. Fight. KO. You win. これが現実だ。Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. KO. Round 3. Fight. KO. You win. Love.
はするな。ラウンド1ファイト。A little.
say you feel relief. Stay away from your own family. But years from now, if you could make it proud, you can leave the world and feel like you've achieved the things you hope to do. But honestly, I don't feel ordinary, cause I haven't been at home in a while. Tell them that it's only temporary. I'm trying my best to smile. On se souvient que ce Riverside Stadium a accueilli un match qualificatif pour le championnat d'Europe 2004. Riverside Stadium, ici à Medellino, dans le coin. Oui, c'est pas l'endroit où tu viendrais volontiers passer tes vacances. Hein. C'est anglais, quoi. Ouais. T'es plutôt à Sunderland, toi, non? Non plus. Il va y apparaître la proposition du Real Madrid. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Donc, en défense à 4, un milieu à 7, à 5 et un seul à 4 en pointe. La composition de Manchester United qui s'affiche. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. Il n'y aura pas de carton. L'arbitre estime qu'on est certainement un peu trop tôt dans ce match pour commencer à sévir.
Marco Asensio. Sergio Ramos. Modric. Ouais, belle séquence de passe, attention, hein, ça peut énerver l'adversaire. Casemiro, attention à la frappe. Oh la barre, attention, c'est pas fini. Matic. Alors il y a un peu un match dans le match, hein, dans cette rencontre, Pierre. Ouais, lumineuse cette passe. Ouais, un bon ballon d'attaque. Modric. Kroos. Cristiano Ronaldo. Repasse par Marcelo. Casemiro. Carvajal. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Cristiano Ronaldo. Bon, attention, c'est pas fini. Il tacle. Anthony Martial. Matic. Smalling. Matic. Le long de la ligne de touche. Matic. Le joueur de Manchester qui vient. Un superbe geste défensif. Cristiano Ronaldo. Marco Asensio. Luka Modric. Il s'approche de la zone de vérité. Casemiro. Gareth Bale. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Bale. Modric. Asensio, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, oh ça y est le but, l'équipe qui prend l'avantage dans ce match, et c'est vraiment mérité, au vu de ce qu'on voit depuis le début de la rencontre. Ouais, c'est la plus entreprenante des deux équipes, celle qui cherche, celle qui tente, qui mène au score, et c'est normal. Le tour qui était idéalement placé sur cette action. Touche pour Marcelo. Modric. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Alexis Sanchez. Anthony Martial. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Antonio Valencia. Lukaku. Martial. Peuvent peut-être partir en contre. Voilà, ça va être intéressant. Il y a de valeur ralentie parce que le hors-jeu ne paraît pas évident du tout. Matic. Alexis Sanchez. Manchester United à l'attaque. Et Martial. Et l'arrêt de Keylor Navas. C'est bien joué. Manchester United et qui va pouvoir tirer le corner. Peut-être qui permet au gardien de s'illustrer sans trop de problème. Oh oui, encore une bonne passe. Manchester avec le ballon regardé. Anthony Martial. Non, ça ne passe pas. Luka Modric. Carvajal. Elle met le score, ils font tourner le ballon. Et ça n'a pas l'air de déranger l'adversaire outre mesure. Oh, le bon ballon donné par Cristiano Ronaldo. Bien joué dans l'interne. Attention à Gareth Bale. Ah non, ce n'est pas cadré. Dommage quand même, elle était belle cette frappe. Paul Pogba. Non, elle est interceptée cette passe. Kroos. Luka Modric. 2 minutes de plus au minimum, c'est ce qu'a dit le capitaine Harry. Attention, l'occasion pour Cristiano Ronaldo. Et le but!
le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il ne faut surtout pas se relâcher maintenant. Et voilà donc avec une avance. Y'all walk off, till it broke off. Don't stop off, till it snap off. Good pussy make the whole dance lock off. Yeah, tell me see me ting turn up. Turn up the ting till the ting burn up. Wine on a girl till the girl mash up. Mash out the ting like a dumper truck. Ayo, me ting good, and me ting shot. And the ting set, and it's sitting lock. And the girl good, but my face bad. And me ting ting real and it can't stop. Flotivavante que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum. Vai com o bumbum tam tam. C'est reparti dans ce match, on rappelle que c'est le Real qui mène au score. Casemiro. Ils font circuler le ballon de leur camp et ils continuent puisque l'autre équipe ne vient pas les chercher. Ça dérange aussi. Marcelo. Toni Kroos. Raphaël Varane. Ça part. Le gardien qui va essayer de s'interposer. Et la voilà la frappe. Anthony Martial. Ouais, il efface bien son vis-à-vis. Je crois qu'il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Anthony Martial. Ok, dans Navas qui était bien placé, pas de problème. Carvajal. Casemiro. Bah, c'est peut-être lui, hein, l'homme du match. Pour l'instant, oui. Anthony Martial. Comme de milieu de la paire ici. Casemiro. Modric. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Sanchez. Encore plus. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Modric. Bale. On fait tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse. Beaucoup de maîtrise technique. Modric. Avec un tir. Ah non, un manque d'application. Mieux à faire, c'est sûr. Ah, il protège son ballon. Pogba. Les hautes des belles sur l'attaque. Lukaku pour créer le décalage. Très belle passe. Un petit but d'avance donc. Parce qu'il y a des buts à 1. Il s'est arrivé sur le Modric. Modric. C'est pas terminé. Il dégage en touche pour éloigner le danger. Marcelo. Modric. Carvajal. Bale. Gareth Bale qui jouait plutôt défenseur au départ, hein, qui vraiment s'est imposé plutôt devant. Hein. Oui, oui, il jouait latéral. Toni Kroos. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Marco Asensio. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Luka Modric choisit la frappe. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur.
Et ce sont les joueurs qui se sont créés le plus d'occasions, qui marquent en toute logique donc. Moi j'ai rien à ajouter, Hervé, c'est parfait. Je suis d'accord. Antonio Valencia, les 30 derniers mètres. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Baïd. Kroos. Modric. L'attaquant est Cristiano Ronaldo. Le gardien qui assure le spectacle avec efficacité. Corner en faveur du Real Madrid. Un corner qui est joué court. Allez, à deux. Il y a du soutien derrière lui. Oh, superbe ce tacle à un endroit crucial. Anthony Martial. Manchester United à l'attaque. Oui, il y avait une occasion de revenir à un but. L'attaquant qui n'a pas eu le temps de crocheter le gardien. Oui, il a fait le choix de sortir très vite. C'est parfait. Il est sur la trajectoire. Matic. Romelu Lukaku. Oh, dommage cette faute, ça va donner un bon coup franc. Du temps réglementaire. Marcelo. Matteo Kovacic. Cristiano Ronaldo. Le tacle propre, le ballon toujours en jeu. Il a été intercepté, c'est le pas. Ah, le bon ballon de contre. Oh, la tentative. Deux minutes de temps additionnel doit être avancé. Le haut de l'eau, ça attaque. Marcelo. La dernière minute. Et l'arbitre qui libère les 22 acteurs de ce match. C'est terminé. Cette équipe. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Cristiano Ronaldo. Et attention, c'est pas fini. Belle séquence de passes, attention, ça peut énerver l'adversaire. Casemiro, attention à la frappe.
donné, mais rien n'est encore joué, à eux maintenant d'aller provoquer leur destin. Et il faut continuer à tout donner dans ce dernier quart d'heure. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. La passe dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Juan Mata. Pogba. Il choisit là-bas, sur l'aile. Ça manque un peu de solution. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il me ressemble beaucoup. Pour trouver la faille dans la défense. Dans la surface. La passe interceptée. C'est joué long. Donc ça va partir vite. Douglas Costa. Repiqué dans l'axe peut-être. Ah, il est bien monté. Il est passé. Au centre de Lichtsteiner. Oui, encore une occasion manquée. Ils étaient quatre devant le but, mais malheureusement, ça ne donne Cuadrado, rien. Cuadrado, en retrait. Il prend sa chance. Il peut encore frapper jusqu'au bout. Et ça rentre. Et ce but en prolongation qui change tout, évidemment. Et le gardien qui passe complètement au travers, ça fait but. C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde, mais la défense... C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Mais qui a dit que dans le football, il n'y avait plus de spectacle? C'est faux, regardez la preuve, aujourd'hui on s'est régalé sur la pelouse, même si à l'arrivée, il n'y a qu'un petit but d'écart. Ce match a donc livré son verdict dans les derniers...
commenter cette rencontre. Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes aussi... Bien présent. Il voit sa passe interceptée. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Oh, Benzema, il écarte, il joue sur l'aile. Le bon dribble. Centre à terre. Long ballon dans le sens du jeu. Ils obtiennent la touche. Choisit là-bas, sur l'aile. Bale, il glisse le ballon en profondeur. Bonne interception, il y avait danger. La passe en retrait vers son défenseur. Un long ballon vers l'avant. Pour trouver la faille dans la défense. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Le long dégagement du gardien. Ça joue à... d'allonger le jeu. Et ce ballon sur l'aile. On joue sur l'aile, il est servi. Il y a peut-être un coup à jouer. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Oh, Cristiano Ronaldo pour trouver la faille dans la défense. Dans la profondeur, bien vu. Toni Kroos. Il tente de la jouer dans l'espace. Ah, il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Un ballon intéressant. C'est joué long, attention. Et le gardien s'en saisit, tranquille. Toni Kroos qui choisit le côté gauche. Ouverture vers le poteau de corner. Il est lancé vers le poteau de corner. Cristiano Ronaldo reçoit le ballon. Pas de hors-jeu, il y va. C'est dégagé. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il joue dans l'espace. Oh, le contre, l'arme fatale. Qui est le premier sur ce ballon? Oh, attention, la tentative! Bien repoussé par le gardien. Ah oui, là c'était magnifique. Attention, il y a des bons joueurs de tête qui sont montés. Il met la tête! Non, non, ça ne passera pas. Il cherche son coéquipier. Modric. Le jeu. Il est à distance de tir. Le centre tendu. Le ballon traîne toujours. Attention. Modric. Il écarte. Il joue sur l'aile. Cristiano Ronaldo. Bien servi sur le côté. C'est joué long. Ça peut partir en contre. Toni Kroos. Il choisit la profondeur. Ça, c'est une interception parfaite. Oui, mais parfaite. C'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Il glisse le ballon en profondeur.
Toujours pas de but ici alors qu'on se rapproche de la pause. Madrid qui cherche l'ouverture. Oh, c'est chaud. La frappe. Cristiano Ronaldo. C'est dedans. But. Et le voilà, le premier but dans cette rencontre. Et le gardien qui passe complètement au travers. Ça fait but. Mais quelle faute de main du gardien. Face à ce genre d'attaquant, ça ne pardonne pas. Oh, Cristiano Ronaldo dans l'espace. Énorme occasion. Oh, quel bel arrêt. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Attention, un peu d'oxygène pour sa défense. C'est la mi-temps, les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle et nous aussi d'ailleurs. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Dites-moi, on peut retenir quoi de ces 45 premières minutes? Je ne sais pas ce que vous en pensez Grégoire, mais je pense qu'il mérite beaucoup mieux. Regardez les stats et surtout le nombre de tirs. Un seul petit but, c'est par les deux équipes. Parle Toni Kroos. Va-t-il en profiter? Modric. Raphaël Varane. Daniel Carvajal. Modric. La passe dans la profondeur. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Le jeu repart vers la droite. Daniel Carvajal. Isco. Casemiro. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Ce ballon bien dosé. Le coup de sifflet, ce sera une faute. L'arbitre l'avait pourtant prévenu que la prochaine faute, ce serait un carton. Cristiano Ronaldo, il va sans doute préférer centrer, elle est compliquée à frapper directement. Toni Kroos en retrait. Benzema. Il y a danger. Et c'est intercepté. Toni Kroos. C'est joué long, attention. Il est lancé vers le poteau de corner. Bale, le centre. Danger repoussé pour le moment. Ça joue à gauche. Il est en bonne position pour centrer. Toni Kroos. Il s'est attaqué, ça on le savait, mais il sait aussi défendre. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. Pour trouver la faille dans la défense. Le drapeau s'est levé, hors-jeu. Cristiano Ronaldo en position de hors-jeu. Qui ne résiste pas au contact. Et s'est récupéré encore une fois. Casemiro. Qui choisit le côté gauche. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Ouverture vers le poteau de corner. Bale. Et ce ballon sur l'aile. Ah, il est bien monté. Il reçoit le ballon. Le ballon dans la surface. C'est dégagé. Ça sent la frappe. Benzema. Une autre chance. Un peu d'oxygène pour sa défense. Toni Kroos qui cherche une solution. Allez, c'est dangereux. Et il trompe le gardien. Et ça fait désormais deux buts d'avance. Ah, c'est beau le foot quand ça combine comme ça. Un peu de tiki-taka et hop, c'est dans la boîte. Bravo. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0.
Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Oh, l'aspiration! Et ça rentre! Oh, ça commence à être chaud! Peuvent-ils égaliser? Oh, il était bien placé, ce ballon. Tout simple. Ils engagent et ils n'ont plus qu'un peu... match qui commence maintenant. Ils sont en train d'inverser le tendance. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard. Oh, la frappe! Et ça fait but! Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but! Deux buts déjà dans ce match. Les voilà avec deux buts d'avance. Ils ont creusé l'écart. Et s'ils allaient en chercher un autre? Le gardien loin devant. S'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Passe. Oh, la frappe! Envoyé par le poteau. C'est Isco qui centre. Le bon dégagement. Il relance côté droit. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Faute, oui, faute et coup franc à venir. Ça revient dans l'axe. Ça manque un peu de solution. Il est à distance de tir, la passe interceptée. Sergio Ramos qui cherche la profondeur. C'est osé. Casemiro. Toulfos. Belle passe lobée sur l'aile. Bale. Ça peut être dangereux. Nouveau but dans ce match. Voilà qui met son but interne définitif à tout suspense. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Et la faute. Du calme, il faut se reconcentrer tous ensemble sur le jeu là. Et un nouveau coup de pied arrêté, encore un. Il a différentes options, laquelle va-t-il choisir? Et l'arbitre accorde un 6 mètres. Il repique dans l'axe. Il écarte le jeu. Un centre tendu à ras de terre. Modric. Oh, la tête. Pas de réussite. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Festival des attaquants aujourd'hui, ils ont fait mal. Ils ont surtout connu énormément de réussite. Le score peut en témoigner. Et bien là, on a un combat et une victoire. Alors, qu'est-ce qu'ils sont canons? On est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. À très bientôt. Where'd you wanna go? How much you want? Some superhero, some fairy tale best. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Where'd you wanna go?
Thank you.
shaking me right to the core. Oh, yeah. I don't know what's in the stars. Never heard it from above. The world isn't ours, but I know what's in my heart. If you ain't mine, I'll be torn apart. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet, très concentré Darren d'Angleterre. Le match peut commencer. Hello my dear, très content de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre. Jérôme Boateng, c'est joué long. Müller, Ribéry, il est lancé vers le poteau de corner. Ah, il est bien monté. À la barre, il a de l'espace. Le bon dribble, il déclenche son centre. C'est dégagé, loin devant. Thiago, Ribéry. Lewandowski, ça c'est une interception parfaite. Thiago, toujours pas de but ici alors qu'on se rapproche de la pause. Il file dans l'axe. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Oh, l'arbitre est clément sur ce coup-là. À la prochaine faute, il sortira le carton, c'est sûr. Il va peut-être falloir lui parler parce qu'il ne peut pas continuer comme ça. À la prochaine faute, ce sera carton. Il écarte, il joue sur l'aile. Énorme occasion! Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Mais à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Lewandowski! James Rodriguez. Il cherche son coéquipier. L'accélération! Jérôme Boateng, qui est récompensé de son pressing.
a le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Il allonge. Lewandowski. Il continue sa course. Il y a peut-être un coup à jouer. Voici Alaba. Là, il peut centrer. Mais l'arbitre siffle la mi-temps sur cette grosse occasion. Munich qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. C'est toujours bon pour le moral de terminer la première mi-temps aussi fort. Les joueurs vont devoir revenir maintenant avec le même état d'esprit et continuer sous ce. Aucun but marqué d'un côté comme de l'autre. 0-0 à la mi-temps. Mais l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Ça pouvait créer le danger. Le ballon sort en touche. Müller qui centre. Quelle détente! Et c'est devant en but! Le jeu vient de reprendre et les filets tremblent déjà. Les joueurs de ce calibre ne restent jamais trop longtemps sans marquer. Quel régal! Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Vous pouvez le marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer sur ce tir imparable. On y est, le compteur est débloqué. Alors que certains joueurs n'avaient pas fini de rentrer le maillot dans le short, et voilà, ça fait 1-0. Un pas d'angoisse, encore un ballon récupéré. Le centre, le bon dégagement, un long ballon vers l'avant, ballon intercepté, ça soulage la défense. Oh, Lewandowski, le coup de sifflet, ce sera une faute. C'est pas facile, ça peut se tenter, on en a vu rentrer de cette distance. C'est bien fait ça. Alaba qui centre. Et c'est intercepté. Ribéry. Oh, il a bien vu son coéquipier. Lewandowski, il y va tout seul. Il décide d'allonger le jeu. La passe dans la profondeur. Il faut faire les bons choix. C'est osé. Robben. Il écarte le jeu. Alaba. Quelle frappe! Et le gardien n'a même pas eu à intervenir. Ce genre de frappe peut faire des dégâts, même à cette distance. Mais pas là. Lewandowski. Oh, il aurait pu payer cash ce ballon perdu. Un bon pressing des attaquants et voilà comment on passe de défense à attaque. C'est bien joué. Ce but, il ne le doit à personne. Il est allé tout seul et c'est parfait. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. S'il le trouve, bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Et c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Alors, que va-t-il faire? Oh, Lewandowski,
C'est joué long vers le poteau de corner. Ça sort en touche. James Rodriguez. Munich qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus ça oblige leur adversaire direct à redescendre d'un cran. Plutôt malin. L'arbitre siffle une faute. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. Mais pourquoi il a fait cette faute-là? Il n'y avait pas de gros danger. Et par contre, là, il y en a. Quel dommage. Vidal. Il s'échappe le long de la ligne. Choisit la profondeur. Ouf, un peu d'air. On dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. Il y a danger. Ils sont... Oh, l'inspiration! Ils sont passés tout près du 3-0. Aïe, 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 ils auraient pu tuer le match. C'est presque impossible de remonter 3 buts de retard. Ce sera le premier corner du match. Il met la tête. Ça peut rentrer cette fois. Ils auraient pu tuer le match là. On sait de quoi il est capable. C'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer. C'est le talent à l'état pur du football moderne. James Rodriguez. Quelle fait du bien cette interception. Il voit sa passe interceptée. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier, là, juste avant la passe. Pour trouver la frappe. Et le cadre se dérobe largement. Il a fait n'importe quoi, et là, je suis gentil en plus. Pas à frapper. Robben. Il joue dans l'espace. Bonne intervention. Oh, Lewandowski. Qui est le premier sur ce ballon? Bon jaillissement, il fallait intervenir. Jérôme Boateng. Il s'impose physiquement dans ce duel. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Là-bas. Il tente de la jouer dans l'espace. Thiago, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Allez au bout. Il file dans l'axe. James Rodriguez. Robben. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Victoire, c'est donc la victoire finale pour cette équipe et franchement elle est méritée parce que techniquement, physiquement, mentalement, ils étaient vraiment au-dessus des autres. C'est l'heure du bilan, qu'avez-vous pensé de ce match? Ils ont encore démontré que le chemin le plus court pour marquer, c'est de passer dans l'axe. Eh oui, mais bon, encore faut-il avoir les joueurs pour le faire. C'était vraiment une belle soirée d'arène, un beau match, on s'est régalé, on se retrouve très vite. À bientôt!
Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Darren Tulette qui nous livrera son analyse technique. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, j'ai vraiment hâte de commenter ce match à tes côtés. Et le match est donc lancé. Oh, Higuaín! Il y a peut-être un coup à jouer. Bon, voici Kedira. Alors, que va-t-il faire? Oh, le petit ballon piqué! Oh, il l'a récupéré! Modric. Ou que ça va partir vite. Bale. Il joue en profondeur. Ça sent la frappe! Dans la surface, il a centré. Bonne intervention du défenseur, ce sera un corner. Attention, il y a des bons joueurs de tête qui sont montés. Et ils essaient de repartir de derrière. Long ballon dans le sens du jeu. Ça peut partir en contre. Oh, l'interception! Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Daniel Carvajal. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Oh, voici Isco. Il glisse le ballon en profondeur. Il était bien en jeu. Cette passe en déviation avait surpris tout le monde, mais son coéquipier était hors jeu de quelques petits centimètres. Benzema. Alors, que va-t-il faire? Il allonge et c'est intercepté. Danger repoussé pour le moment. La passe est précise. Il choisit la profondeur. Il cherche un coéquipier. Le danger est repoussé. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Pour trouver la frappe. C'est au fond des filets. Matuidi qui cherche une solution. Alexandro. Il a trébuché sur cette intervention. Modric. Ce contre peut très bien aller au bout. Modric à droite. Allez, ça peut faire mal. Un bon centre dans la surface. Le bon dégagement. Toni Kroos qui cherche à construire. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Ballon intéressant. Le danger est écarté. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Il glisse le ballon en profondeur. Oh, très bon ballon. Attention, il tire. C'est dedans. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. C'est reparti, ça fait 1-0. Il mène au score, maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Il est lancé vers le poteau de corner. Higuaín. Raphaël Varane qui cherche la profondeur. C'est reparti, ils peuvent contrer. C'est dégagé loin. Et c'est directement récupéré. C'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. C'est joué long, attention. Il est signalé hors jeu. Ah non, superbe passe sans contrôle, ça méritait d'aller au bout.
Daniel Carvajal. Ce ballon bien dosé par-dessus les défenseurs. Higuain. Paolo Dybala. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Il écarte, il joue sur l'aile. Douglas Costa. Belle passe lobée. On joue sur l'aile, il est servi. Centre. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Matuidi. Et ce ballon vers ses attaquants. Oui, il peut frapper là. Un long ballon vers l'avant. Heureusement qu'il était là. Son gardien était battu. Bonne interception, il y avait danger. Khedira qui veut se projeter. Higuain qui file. Higuain. Aucun danger pour le gardien. On a vu avec quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excellent dans l'art de contre. Très beau mouvement. Alexandro est bien placé. Il récupère sur le dégagement. Modric. Il joue en profondeur. La passe interceptée. Je n'ai pas compté les centres d'arène, mais il y en aura eu un paquet aujourd'hui. Vous avez raison, et cette équipe joue souvent comme ça. Mais quand on a un bon joueur de tête dans la surface, ou un coéquipier capable de la reprendre de volée, ça peut vite faire mal. Bale qui a... Sifflet, c'est la mi-temps. Les deux équipes regagnent donc à rien jouer dans cette rencontre. Oui, l'entraîneur va perdre un peu mon capitaine obvious. Je... Et là, ça s'est joué à un cheveu. Dybala. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. Pjanic. Khedira. Oh, Higuain. Khedira qui cherche une solution. Il continue. Il y a danger. Faut tirer là. Marcelo qui joue long. Alexandro. Dans la profondeur, l'interception, bien joué. Ça manque de soutien. Pjanic. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Le ballon en profondeur. Il est en bonne position pour centre. Le coup de tête. Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. Modric qui a offert cette passe décisive. Il est passé. D'allonger le jeu. Ça, c'est une interception parfaite. Isco. La passe dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Isco. Il choisit là-bas, sur l'aile. Le centre passe tout près du poteau gauche. C'était un tir plus que correct. Ça m'a été sans doute un meilleur sort. Pjanic qui a un peu d'espace. Alors, que va-t-il faire? Il choisit la profondeur. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on! Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Non, c'est bien vrai. Pjanic qui cherche à construire. Lichtsteiner. Ça manque un peu de solution. Et ce ballon sur l'aile? Dybala qui centre. Danger repoussé pour le moment. Benzema qui cherche la profondeur. Isco.
Alors Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici? C'était pas mal. Madrid qui cherche l'ouverture. Marcelo, il a de l'espace. Le ballon sort en touche. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. La défense est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Il préfère jouer avec son gardien. Le gardien loin devant. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Toni Kroos. Ça manque de finition tout ça, j'espère bien pour... Le duel avec le gardien. Quelle occasion, attention! Et c'est au fond! Ils creusent l'écart, ils ont maintenant deux buts d'avance. Non mais quel sang-froid, il est allé au bout de son action pour marquer un but fabuleux. Madrid vient peut-être de se mettre à l'abri. Alexandro. Autour du gardien de jouer. Ils s'en sortent. Longue ouverture en direction du poteau de corner. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Long ballon dans le sens du jeu. Un ballon intéressant. Passe interceptée. Oui, mais c'est mal fait. C'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Il écarte le jeu. Il est passé. Le soutien va pousser certaines. Vous aimez les jeux vidéo? Vous allez être servi. Retrouvez toute l'actualité du gaming, les plus belles histoires de l'e-sport mondial et local.